Jusqu'où peut aller Donald Trump? Habitué des provocations en tout genre, le milliardaire new-yorkais reste en tête des sondages parmi les candidats à l'investiture républicaine, avec 24% des intentions de vote contre 13% pour son principal rival. Critiqué par le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, Donald Trump ne mâche pas ses mots. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'en ai eu un aperçu tout à l'heure. Alors que j'étais en route pour la Caroline du Sud, j'ai vu votre sénateur. Il est tellement coincé. D'ailleurs, il est à zéro dans les sondages. Zéro. Et il passe tout le temps à la télévision. Avant cela, Trump s'en était pris à un autre républicain, John McCain, qui selon lui n'était pas un héros de guerre parce qu'il avait été fait prisonnier. Un mois plus tôt, il déclarait que les clandestins mexicains apportaient drogue, délinquance et viol aux États-Unis. Des propos qui agacent dans sa ville, New York. Monsieur Trump a un plan. Il est drôle et il aborde des sujets que personne d'autre n'ose aborder, estime cet homme. Tout ce qui sort de sa bouche est une honte, explique cet autre. C'est vraiment triste. Je n'arrive pas à croire qu'il veuille diriger le pays. Ça n'arrivera pas, chérie. Not happening, darling, no. Well, I'm the naked cowboy and I support Donald Trump. He ain't a politician and he sure ain't no chump.